Partons de Menae. Techniquement, on n'y est plus. Est-ce que j'ai... Ouais. Je vais me faire un petit peu de... Alors, attendez. Déjà, est-ce que je peux... scanner? Est-ce qu'il y a des choses à scanner? Alors, je pense qu'il y a des choses à scanner, quand même. Il faudrait que je prenne le relais cosmédésique, en fait, pour vérifier. Non, il n'y a pas de pourcentage d'indiquer encore. Et si je me trompe pas, il faut que je vérifie. Est-ce qu'il y a un truc à 0% par exemple? Ah. Ok, bon. Non, bah non, alors on reste là. J'imagine que tant qu'on n'a rien trouvé, ça indique peut-être pas le pourcentage. Peut-être pas le pourcentage restant. Dans ce cas-là, je vais acheter du carburant. Et on va voir ce qu'on va trouver si on va par exemple sur dans le système solaire Gemae. Oh putain, le soleil est énorme. Comme ma bite. Ok, vigilance des moissonneurs. Donc effectivement. Signal confirmé. Ah merde! Ok, je l'ai dans le cul. Est-ce pour ici. Réussi? Les moissonneurs sont tous juste à côté des ressources. J'ai aucune possibilité de les récupérer là, c'est même pas la peine d'essayer. C'est pas grave, à son découverte, la prochaine fois que je passerai, j'aurai peut-être même pas de scan à faire s'il y a effectivement que 3 ressources à récupérer. Donc, ici. J'ai trouvé quelque chose. Ok, donc ça va être du carburant, ça va me rembourser mon retour, en partie. Voilà. Et il reste apparemment une ressource quelque part. Ok, nickel. Digeris. Digeris est une planète abritant une vie à base d'acide dextroaminé. C'est également une colonie turienne, encore célèbre il y a peu pour avoir été le site de la bataille la plus sanglante de l'histoire turienne. Pendant les rébellions Krogan, un chef de guerre nommé Grakendal porta le combat jusqu'au secteur de Palaven et bombarda Digeris et ses modestes défenses. Lorsque des renforts arrivèrent pour intercepter la flotte de Dal, la flotte de Dal se plaça dos à Digeris, pour que les tirs perdus frappent la planète. Malgré ce sévère handicap, les Turiens gagnèrent en engageant d'innombrables chasseurs et croiseurs pour détruire les cuirassés Krogan. Aujourd'hui, la flotte turienne résiste aux moissonneurs sur Digeris. Ces derniers, concentrés sur Palaven et ailleurs, n'avait envoyé qu'une force modeste pour prendre la planète. Je lis mal la ponctuation, c'est que j'essaie d'aller vite, mais du coup je lis mal. Faudrait que je prenne plus mon temps en fait. Les Turiens tiennent Digeris pendant que les moissonneurs attendent des renforts et parcourent le système en détruisant des cibles d'opportunité. La date de fondation était en l'an 380 de notre ère. La capitale s'appelle Aparitus. Et ils sont 1,9 milliard sur cette planète. Alors. Scan. Aha! Lancement d'une sonde. J'ai trouvé la bannière du premier régiment et... Ouais non, j'ai juste trouvé la bannière du premier régiment, ce qui a mis à jour une quête en fait. Ok, plein sud, et on se casse. Moissonneur évité. Il restera donc plus qu'à récupérer les ressources sur Gemae. Et là, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait rien, quand même. Mais bon, s'ils le disent, je vais leur faire confiance, après tout. Allez, je rachète du carburant, et on va explorer les secteurs suivants. Des secteurs hors quête. Non, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il sort là du système solaire? Non, relais cosmodésique, bordel. Hop. Donc on ira à la citadelle après. Donc ça c'est pour aller faire notre sommet pour conclure des alliances, mais pour le moment on va pas le faire, c'est la quête principale. Les quêtes secondaires en premier. Alors sachant qu'on en a une à l'Académie Brissom qui est ici. Ouais, mais ça on verra après. Allons au désert de Minos.
Alors, le désert de Minos. Oh bah ça va, il y a juste un seul système solaire. Ça devrait pas être compliqué. Signal confirmé. Doucement les moissonneurs. Avec un peu de chance, on a que cette ressource sur la planète Pietas. Bien que Pietas dispose de caractéristiques qui l'ouvrent à la terraformation, les droits de cette planète font l'objet d'un contentieux depuis 9 ans, la juridiction concilienne n'ayant pas été en mesure de trancher. L'affaire est devenue une boutade. Pietas aura développé ses propres formes de vie, plaisante-t-on, avant que le conseil ne donne son aval à la colonisation. Ça m'étonne pas du conseil, ça. Jouissant de températures douces et d'une atmosphère à base d'azote et d'argon, Pietas pourrait en effet être habitable par l'adjonction des cyanobactéries produisant de l'oxygène. Sa croûte est riche en silicates et en carbone, ce qui permettrait de fabriquer des matériaux de construction à moindre coût. Contrebandiers, pirates et autres vaisseaux non immatriculés se posent parfois sur Pietas pour faire profil bas ou effectuer des réparations. Cette destination est déconseillée aux civils. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Pietas? Hop, lancement d'une sonde. J'ai récupéré des crédits. Et juste des crédits. Ok. 50% des ressources. Merde, ça veut dire qu'il en reste. Ok. Je suis foutu, je suis baisé. Merde! Où est-ce que ça reprend dans ces cas-là? Oh, ils sont pas trop méchants, ils me font reprendre ici. Signal confirmé. Ça veut dire que je vais pouvoir m'en sortir avec la même chose. Sans. Avec le truc en plus que je n'aurais pas été capable de récupérer du coup. Ils sont pas trop méchants en fait par rapport à ça. J'avais peur que ça me fasse reprendre en fait toute l'exploration spatiale. C'est pour ça, hein, tout à l'heure, j'essayais d'éviter. J'avais peur en fait de me faire choper par les moissonneurs et j'avais préféré peut-être repasser une autre fois. Bon, j'ai quand même tenté du coup, mais. Du coup, maintenant que je sais ça, je vais prendre des risques. Attendez. Ouais, du coup, ça m'a mis effectivement les 40% ici. Donc, ouais, ça valide bien. Donc, c'est bien. Donc, on est bon pour le désert de Minos. Techniquement, on a fini. Sauf si on découvre de nouveaux systèmes solaires plus tard. Les abysses Grishtek maintenant. Système solaire Xesha. Ok, donc on va se barrer. On scannera ici en dernier. Comme toujours. Allons d'abord sur Urlarast. Apparemment, il n'y a que deux systèmes solaires. Ok, Urlarast. Je tente un scan ici. J'ai trouvé quelque chose. Parfait. Talisphia. Talisphia est capable d'accueillir la vie, à condition que cette dernière puisse respirer l'ammoniaque. La blague. Découverte par des exploratrices Asari, cette planète a fait office de monnaie d'échange entre les mains du Conseil, qui a rapidement ratifié un accord de colonisation avec sa riche race inféodée, les Volus. Le Conseil a accepté de financer l'effort de colonisation Volus en échange des bénéfices commerciaux conséquents. S'en suivit un mouvement migratoire massif, peu commun chez les Volus, et une douzaine d'années de profit pour le Conseil avant l'éclatement de la bulle colonisatrice. Aujourd'hui, l'âge d'or économique de Talisphia est révolu de longue date. La piraterie handicape lourdement l'import-export, d'autant que les Volus représentent un gibier facile pour ces criminels bien armés. C'est vraiment que les Volus, quoi. La date de fondation en l'an 385. Une population de 3 800 000 d'habitants, pardon. La capitale Usradao. Il y a vraiment trop de chiffres là, ça me fait mal à la tête. 3 800 000 habitants. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. J'en arrive à douter tellement il y a de zéro en fait. Alors que c'est évidemment, bien évidemment ça. Et par contre, j'ai que 50% des ressources, ça veut dire qu'il reste quelque chose. Je la sens bien la gazeuse. Et bah
là, j'aurais pas dû la sentir. Ok, on repassera. OSLM réussi. On passera plus tard sur Urlarast. Retournons à Xesha. Alors avec un peu de chance... Signal confirmé. Zadaban. Zadaban est une grande planète très dense nommée d'après le dieu Volus du châtiment. Sa croûte est riche en uranium, érodée par les vents qui créent d'énormes tempêtes de poussière radioactive sur toute la surface. Les Volus de Talisphia ont passé la planète au crible à l'aide de sondes spatiales et de robots de forage téléguidés. Résultat de leur analyse, ils ne sont pas les premiers à exploiter cette planète. On retrouve en effet près de l'équateur des matières plastiques issues d'une station minière datant d'environ 50 000 ans. Curieusement, les mines à proximité n'étaient pas à court de minerais d'uranium. Elles avaient été abandonnées au maximum de leur rentabilité. Oui, bah c'est au moment de l'extraction des protéines, il y a 50 000 ans. Date de fondation en l'an 2154. Il y a 22 500 habitants en orbite. Et la capitale, aucune concentration démographique maximale dans la station d'Holo. Allez, on scanne. Des crédits. Juste du pognon. 50%. Attendez, des fois ça peut arriver qu'il y ait deux trucs. J'aurais dû scanner une deuxième fois. Ah bah je peux plus rescanner, donc ça veut dire qu'on a tout eu sur cette planète. Ok, 150 unités de carburant. Esquive réussie. Eh oui, idéal. Maintenant on va aller... Non, le berceau de Siegfried, c'est bon. Ben voilà, ben on est bon pour cette exploration spatiale. On a bien joué, on a bien joué. Allez, en route vers la citadelle. Ok, citadelle. Voilà, donc prochain épisode, ce sera donc une première vraie balade à la citadelle. La dernière fois, c'était juste la découverte, et puis bon, bah, c'était par rapport au conseil. Là, cette fois-ci, on va vraiment faire une balade à la citadelle. Regardez-les quand même, hein. Je sais que certains dans Mass Effect 1 ne les regardaient pas. Dans Mass Effect 2 non plus, d'ailleurs. Enfin, dans Mass Effect 2, il y en avait beaucoup moins aussi. Mais là, les quêtes annexes ont quand même une grosse importance dans Mass Effect 3. Je pense que ça peut valoir le coup. Allez, on se retrouve à la citadelle pour le prochain épisode.